Et y'a tout le monde les gars, ça j'espère que vous allez bien parce que moi ça va plutôt bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en facecam. Ça fait vraiment plaisir de se voir en facecam tout simplement. Puis même moi je vous vois pas, mais vous me voyez, donc c'est principal, c'est ce qui compte aujourd'hui. Je suis content de vous présenter mon petit Adinex. Bon, si t'as pas vu les dernières vidéos, je t'invite à aller les voir. Je vais les mettre par-ci par-là, je ne sais pas trop où sur l'écran. Je t'invite à aller les voir, le défi 1,60. La petite quête, hein, donc va voir tout ça. Et maintenant on va conclure, entre guillemets, parce que ce personnage, je pense qu'on va faire pas mal de trucs avec. Donc on est sur les petits ebat, hein, tu me diras, avec notre petite Yamineka, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bon, je m'excuse un peu de la qualité du rendu fond vert, il y a des petits grésillements un peu à droite à gauche, mais j'arrive pas à me voir parce que la caméra est inversée, bon enfin bref. Donc les amis, on va parler d'Aninex, il n'y a pas de problème. N'hésite pas quand même à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses du rendu fond vert. Moi, avec le fond vert, ça donne bien ou pas. Si tu as des petits conseils à me donner aussi, ça peut être pas mal hein, pour essayer d'optimiser un peu le fond vert. Bon là, je trouve ça pas mal hein, quand même, mais je pense qu'on peut quand même faire mieux. Très très clairement. Bon, bref, avant de commencer la vidéo quand même, on va essayer de faire le petit truc de l'esprit de youtubeur hein, concret et voilà. Ce que je te conseille de faire, le gars te conseille des trucs. Non, ce qui serait cool, mon frérot, tu vas en bas, tu fais pause, tu vas en bas, tu t'abonnes, tu mets un petit like, ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas à faire ça, franchement, ça serait vraiment, je te le dis, ça serait vraiment très génial. Voilà. Alors, bref, trait de bavardage, nous allons pouvoir enfin parler du petit personnage, du petit Aninex, hein, qui est quand même... très bon, très fort. Donc là vous voyez en haut à gauche nous sommes niveau 90, là on est niveau 90. C'est un niveau, moi c'est un niveau pour moi qui quand même encore est assez costaud, assez fort hein. Bon t'inquiète, on va réussir à enfin essayer d'exposer le niveau master et essayer d'aller dans du héros. Voilà, donc là j'avoue j'ai fait pas mal de pastures ces derniers temps, tu vas me dire ouais t'as un BP, t'as un FS, t'as un Gagji master, t'as un Elementor, t'as un Knight, et enfin t'as un petit Blade. T'as quand même des persos tous ensemble quand même plutôt cool, plutôt sympathique. Hein. Tu vas dire ouais BP c'est quand même un bon perso. Pourquoi tu t'attaches vachement à lui? Ben écoute, c'est parce que ce personnage. Je vais pas te montrer là parce que je suis au. Parce que je suis tout simplement pas au monstre adéquat pour te montrer vraiment les termes de dégâts. Hein. Parce qu'il n'y a plus de Puig dans la ville. Enfin je crois pas. Bon enfin bref. Donc là c'est vraiment parce que, je t'avoue frérot. J'ai un perso qui tape énormément. Là il est naked hein, mais on va le voir ensemble. Parce que t'as dû certainement voir en bas, enfin dans la barre de droite, les petites armes du Nuzaka. Si t'as l'œil aiguisé, t'as de dire ouais t'inquiète, il se fout de ma gueule, hein, voilà. Bon enfin bref. Donc j'ai un personnage quand même qui est plutôt bien, plutôt cool dans l'ensemble. C'est mon Blade. Et là je t'avoue, je crois que ce Blade c'est mon main. Vraiment là, je t'avoue dans cette vidéo là, l'heure où ça sort. Je pense qu'on va vivre de belles choses avec lui. Hein. Mon BP, je l'aime aussi, mais pas autant. Désolé de le dire. En plus, j'avais fait une vidéo mise au point. Hein. Voilà. Ça fait 3 minutes que je vous bassine sur plein de trucs, alors que je devrais tout simplement parler du personnage. Mais moi, j'en parle pas parce que j'adore raconter ma vie. J'adore parler de choses qui n'ont aucun rapport avec le jeu, tout simplement. Voilà. Donc, les amis, nous allons enfin pouvoir commencer. Donc, comme je vous disais, je suis niveau 90. Si présent là-haut, tu vois. Je suis niveau 90. C'est pour moi un niveau quand même très fort. J'ai 5 à 5 d'HP. Je suis à 639 de MP. Et FP, je suis à 469. Bon, et FP, ça permet de faire les sorts. Patati, patata. Voilà, je suis à ce niveau-là. Voilà, de statistiques. 5 à d'HP sans buff. Hein. Je vous précise, je suis sans buff. On verra après en buff, qu'est-ce que ça donne. Tu verras, ça sera un petit peu mieux quand même. Faut se dire en toute honnêteté, quoi. Alors, bon, là je suis... On va parler des statistiques. Parlons des statistiques. Alors là, tu vois là-bas, j'ai full force. Je suis à 273 de force au total avec un ajout de 178 de force de ma poche. C'est-à-dire avec mes 90 niveaux, j'ai pu mettre du coup 170 points de force. Mais sachant que dedans aussi, on compte les statistiques de force en plus. T'as force plus 1, force plus 2. Ça va se greffer dessus, je crois. Tu me dis en commentaire, pareil, si je me trompe. Bien évidemment. Je suis donc sans armes à 689 d'attaque, 306 de défense, 27% critical, sans buff, juste avec mon stuff, c'est que c'est pas trop mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Dis-moi aussi, pareil,
qui dit, putain, Anna, ton stuff, il envoie du pâté, t'as compris, quoi. Bon, enfin, bref. Et j'ai 59 vitesses d'attack speed, sans buff, pareil. Et enfin, incrantation 100%, toucher 5%, bon, enfin, refaire après, c'est stable. Je t'avoue, je m'y colle pas trop, je m'y collais pas trop, bon, enfin, bref. Voilà, full force, tout simplement. Voilà. On va parler des statistiques. Attendez, est-ce que je me gêne là? Je vais me mettre. Est-ce que si je me mets là, ce serait pas mieux? Voilà, bon, je vais me mettre là. Je suis au milieu de l'écran, on voit plus Anina, mais on voit les statistiques, il n'y a pas de problème. Donc, là, non, là, maintenant c'est là. Oui, bon, je sors du fond vert, écoute, hein, excuse-moi, je suis pas encore très habitué à ça. Donc, du coup, j'ai mis vagabond rien. Mercenaire, j'ai mis ces statistiques-là, j'ai mis ça à fond, très important, c'est arme enchantée. Quand t'as des éléments, crois-moi, tu tapes quelques petites centaines de dommages en plus. En milliers, tout dépend du niveau que t'es forcément. Ça, c'est quand même très important. Axe et Schwarm, épée et hache, forcément à 100%, parce que là, c'est important, parce que là, pour l'instant, je suis épée. Tu vois, j'ai les Lusaka épée. C'est ça, épée, appeler ça comme ça. J'ai les Lusaka épée. Épée Lusaka, pourquoi je les ai mis en anglais? Les Lusaka Schwarm. Voilà, j'ai ça, donc pour l'instant, je priorise beaucoup plus les épées, mais... Plus tard, j'aurai des grosses âges des familles pour taper forcément beaucoup plus fort que des épées. Bon, là, pour l'instant, je compose vraiment mon full force par mon attaque. Voilà. Donc ça, et assassin, j'ai mis Berserker à fond, donc Fury à fond. Et j'ai mis Dancelab juste pour le fun. Pour le fun, ça ne sert strictement à rien. C'est une grosse attaque de merde, je te dis en toute honnêteté. C'est long, c'est mou, c'est vraiment... Si toi t'es bête à eux, dis-moi en commentaire et remets-moi à ma place et dis-moi que ça défonce, si c'est vrai. Hein. Si ça défonce pas, dis-moi, ouais, t'as raison, Anna, bête à eux, c'est une grosse merde. Hein. Moi, je comprendrais tout à fait que tu me dis ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, nous avons comme petit stuff, enfin, comme petit statistique, voilà, on a fait le tour, hein, tout simplement. Donc, on va remettre les stats du personnage, enfin, les infos personnages, hein, voilà. Et on va se buffer. Vous êtes prêts? Hop. Allez, on se buff. J'appuie sur la touche C pour lancer le C. Et après... Et après, on fait le point déjà. Vous voyez, sans buff. Juste en étant full sans armes. Voilà, je suis passé à 85% de l'attaque speed, 29% de critical, tu vois, tu prends un petit peu hein, grâce à la dex que tu arrives à acquérir, du coup grâce au buff, hein. Évidemment, ça on va l'enlever, on va le mettre là, t'as compris. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc on va pouvoir mettre les armes maintenant. Voilà, donc là on passe à 3 canopes d'attaque, 100% attaque speed et 69% critical mon frère. 69% critical c'est quand même énorme, hein. C'est quand même pas mal. Dès que tu dépasses, pour moi psychologiquement, dès que tu dépasses les 50%, tu vois, pour moi ça devient super cool, vraiment. Bon ben voilà, on va parler maintenant du stuff, hein. Vous avez vu un peu, attendez, j'ai oublié que je devais mettre mes épées. 3 canopes. Et si je veux Fury. Ouais, 4-4-4, bon j'ai pas ça parce que j'ai pas d'éléments sur mes armes, elles sont naquelles. Voilà, donc je monte à 4-4-4 d'attaque, ce qui est quand même pas mal. Hein. Pareil, hein, tu me commandes dans les commentaires, n'hésite pas à dire si pour mon niveau on peut toujours faire mieux, tu me diras forcément. Mais dis-moi ce que t'en penses, c'est raisonnable ou pas, vraiment c'est très important, profitons de cet espace commentaire pour qu'on échange toi et moi vraiment par rapport à la vidéo. Mais sinon, petite pub, t'as le Discord aussi en description. Tu vas sur le Discord et on charge normal, hein, comme des potos, des familles, il n'y a pas de problème. Excellent. Bon, parlons stuff, parlons bien. Alors, je vais mettre ça là. Voilà. Nous avons la première épée du Lusaka qui, elle, est du coup ultimate, qui rajoute 29% d'attaque speed, critique plus 20%, dégâts des critiques plus 43%, rappelle-toi, on appelle ça Adosh. Hein, cool. Et dégâts supplémentaires infligés au type banc, 3%. Bon. En vrai, pour Azaria, tout ça, il n'y a pas besoin, je crois pas, il n'y a pas de vent. Et toucher plus 10%, donc en vrai, je miss très rarement, je te dis en toute honnêteté, vraiment très rarement.
Mais bon, là n'est pas le problème. Voilà. Elle est niveau 75, donc bon, je suis 90 et je pense que je vais les garder jusqu'au niveau master. Évidemment, je tape suffisamment fort avec, hein, je tape jusqu'à du 20K. Sur du 6-7, sur du 7 niveaux de plus, ça va. 20K, c'est quand même mieux, sachant que mon BP il tape au même monstre avec un niveau de plus, il est 91, il tape du 8-9K, voire 10K grand max. Ça me paraît ouf quand même, la différence entre les deux, c'est triste, mais voilà. Je suis désolé, mais Aninex, t'es un peu mon main, hein, t'es mon poteau, je suis là vraiment pour kiffer quand je joue avec toi, bon enfin bref. Donc, le gars, 10 vagues, franchement je suis tellement content de ce personnage, mais moi, enfin vous avez vu dans la vidéo, hein, du 1.60, je suis allé tellement vite, j'ai tellement kiffé. Bon, j'ai pas pu avoir la première partie, tu me diras. Mais on s'en fout. J'ai pu, voilà, tout simplement montrer que ça valait vraiment le coup, ce personnage. À la base, sur ce personnage, Aninex, ça devait être un Ranger full dex. J'ai dit, bon, allez, j'ai trois persos super cool. Je vais faire trois persos super cool. Parce que si elle fait un Ranger, c'est bien, mais moins bien que Blade. Enfin, moi, c'est mon avis. Bon, après, insultez-moi en commentaire, y a pas de souci. Dis-moi, t'as un gros tarbat, franchement, Roger, c'est de la patate. C'est pas grave, c'est subjectif, c'est mon avis, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc, la deuxième, elle a une particularité en plus, c'est qu'elle est End plus épée du Lisa Castella, j'ai End plus 2. Donc ça, j'ai rajouté via un petit parchemin d'endurance, tout simplement. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait, tiens, un petit parchemin d'endurance, voilà. Après, les anneaux, pareil, vigor plus 9, démon plus 12, vigor plus 4, pareil. Le classique, l'éternel classique, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai un peu changé mon stuff, hein, il est quand même pas trop mal, tu vas voir. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire si tu trouves que le reflet de l'écran dans les lunettes, ça casse un peu les couilles. Dis-le-moi, en vrai, frère, ça fait chier. Dis-moi, tes lunettes me cassent les couilles, je les enlèverai. Mais bon, je préfère enlever les lunettes pour l'instant, mais bon, si elle fait chier, en vrai, je te dis clairement, on va les enlever, tout simplement. Voilà, ensuite, nous passons... attends, je remets ça là. Nous passons sur le petit écaille de dragon que j'ai mis plus 4 grâce à un petit sprawl que j'ai eu gratuitement. Voilà, plus 4. Donc lui, il a N plus 25, force plus 13, plus 23. Donc, lui, il est pas mal. Franchement, je te dis, il est quand même quali. C'est un très très beau, très très beau stuff. Ensuite, nous passons à l'armure du coton, plus 3. Pareil, après, tout est plus 3. Dégâts des coups critiques, plus... j'aime pas le dire ce mot. Dégâts des coups critiques. Plus 15%, donc à 2 plus 15%. Critique plus 4, ça c'est beau gosse, critique plus 4. Et enfin, vitesse d'attaque moins 1, bon fait chier mais c'est pas grave, ça m'impacte pas du tout, hein, tu me diras. Et enfin, N-1, et on finit par un petit PM plus 50, où on s'en contrebat les steaks, t'as compris frérot. Ensuite, pour les gants du coton, nous sommes à critique plus 5 plus 6, plus 11 au total, avec PM. Plus 300 avec PM moins 100 et enfin vitesse d'attaque moins 2% en tout parce que j'ai juste avant j'ai encore un moins 1. Mais on s'en fout, ça ne m'impacte rien du tout, je suis à 100% quand même. C'est pas grave. Voilà, continuons. Tout simplement. Là nous avons. Ah oui lui c'est pas un relooking, lui il a un relooking. Bon, c'est pas grave, lui il a dégâts des coups critiques plus 11%. Déplacement plus 2%, défense plus 40, plus 4, plus 44, plus 28. Je sais pas comment ça fait, mais ça fait, je sais pas, beaucoup. Pareil, dis-moi en commentaire le résultat. Et ça serait cool de ta part, hein, franchement. Voilà, tout simplement, je pense que j'ai fait le tour du stuff. Voilà. Voilà pour ce stuff qui est quand même pas mal. Je pense que je vais le monter un petit peu à long terme. Pour l'instant, non, mais on va essayer de le monter. On fera peut-être une petite vidéo pour voir combien ça coûte et combien de temps on met pour monter peut-être la tenue, hein, voir combien ça coûte. Moi j'aimerais bien tester, c'est vrai. Je me trouve des scrolls, des scrolls et je monte ça à fond. Voilà, tout simplement. Ensuite nous avons la cape de... Nous avons le noble azur, voilà, tout simplement le petit noble azur qui fait plaisir, hein, qui permet d'avoir grand chose. Donc on va essayer de passer vite, hein, PV plus 7%, XP plus 10, tous les stats plus 15 pour la cape. Et avec le 7 total, donc les parties, toutes les parties, donc je crois que c'est les 5 parties, voilà, c'est 5, full 5 sur 5. Nous avons toutes les stats en plus 15. Et nous avons, ce qui est quand même pas mal, donc ça fait déjà plus 30 les stats par rapport à ça. Par rapport à ça, déjà on est à plus 30. Toutes les stats frérot, c'est comme franchement ça c'est pas mal. Bon enfin bref, il y en a plein qui l'ont, tout ça en vrai voilà, mais ça aide beaucoup, franchement ça aide beaucoup, tu me diras.
J'ai ensuite le roi agile. Donc c'est un boost vitesse attaque plus 5%. Pas mal, mais j'en ai vu avec le masque endurant du roi Fugu qui rajoute lui 10% d'HP. Donc tu vois, ça me botterait pas mal hein, pour vraiment être pas mal. Hein. Parce que oui, un HP déjà pour vraiment être pas mal, gagner pas mal. Je suis à 7k8, 7k7 pardon, d'HP au total. Enfin, c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus. Bon, enfin bref, là n'est pas le problème. Et enfin, pareil, là nous avons toutes les stats plus 7, là nous avons critique plus 7. Attaque plus 7, dépeuple plus 7. Donc très beau set, hein, tu me diras. Très très beau set. Hein. Voilà. Et enfin, du coup, pour finir. Rapidité 100%, franchement, pour un blade, ça permet d'envoyer du lourd. Je te dis très clairement, ça permet d'envoyer du putain de lourd. Voilà. Et enfin, j'ai le plaisir de vous montrer mon petit secret. Il est caché juste derrière moi, vous voyez, peut-être là. Je vais me décaler et je vais me rapetissir, t'as vu? Hop. Je me rapetissis, t'as vu, c'est cool, je peux me rapetissir, je peux mettre tout le jeu dans l'écran et ça, tu vois, putain, ça, je trouve ça vraiment cool. Enfin, voilà, donc là, j'ai mon petit buffer, hein, mon petit pet buffer qui, lui, me rajoute au total, regardez bien, vitesse d'attaque plus 18%, attaque plus 6%, 6% d'attaque, c'est énorme, mais vitesse d'attaque plus 10%. En vrai, je peux être légèrement full force sans problème, full force, mon ami. Et là, je fais des dingueries. Très clairement, je fais des putains de dingueries. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du personnage à main. Si ce personnage t'a plu, pareil, hein, n'hésite pas à me dire en commentaire, ça fait plaisir. Hein. Si toi aussi, t'as un blade et t'as des conseils à me donner, pareil, n'hésite pas à me dire. Là, ça fait quand même 16-17 minutes de vidéo. Pareil, je te rappelle, ça fait toujours plaisir si tu t'abonnes, vraiment. Et un petit like aussi, ça fait plaisir. Ça prouve que mon travail, il est pas dégueulasse, c'est que c'est encourageant et que... Tu vois, la petite connexion entre toi et moi, pas, c'est ça, ça fait plaisir. Voilà, donc les amis, j'espère que j'ai fait le tour. Vraiment, si j'ai oublié quelque chose, pareil, dis-le moi en commentaire. Hein. Voilà, je me remets en full screen. J'aime bien voir en grand, moi je suis avec comme ça. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!